C'est la maison d'Israël. Avez-vous remarqué ça? Les animaux, c'est nous. Voilà pourquoi Dieu dit tout premier-né des enfants d'Israël. C'est pourquoi Paul dit ceci. Je voudrais vraiment vous trouver cette écriture-là. Bien-aimé Roland, est-ce qu'on peut courir? Qu'est-ce qui est dit à propos de Jésus par le frère Paul? Je vais souffrir. C'est Romain qui dit ces choses. Romain dit quoi? Hein? Je cherche l'écriture où Romain dit, afin qu'il soit en tout les premiers d'entre les morts. Je voudrais vraiment que je trouve cette écriture-là avant de, pour continuer, souffrir. Hein. Hein? Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Bon, je reviendrai plus tard. Je reviendrai, voilà. Prenons d'abord les livres, vous pourrez m'ajouter d'autres écritures si vous voulez. Mais je voudrais quand même prendre d'abord le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 15. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, dans la création, il est le premier-né. Je continue. Mais le verset 18 donne une bonne explication de ces choses. Verset 18. La Bible dit ceci. C'est là que je vais voir ma télé pour vous embrasser dans le nom du Seigneur. Il est dit. Je prends le verset 16 d'abord. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, ici, on nous fait comprendre que s'il y a des morts, hein? Le temps me manque. Donc, s'il y a des morts, Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts. Ici, le frère Paul nous fait comprendre que nous étions tous sans espérance. Tous morts, condamnés au péché. Jésus-Christ sort, parce que naître, c'est la résurrection de tous ceux qui sont morts. Celui qui sort en premier, c'est celui-là le premier-né. Voilà pourquoi les livres des Nombres, Dieu dit, je m'accapare, je prendrai Lévi comme mon premier-né. Je rentre dans le nombre. Souffrez, frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Le temps me fait défaut. Mais je vais quand même continuer parce que je n'ai pas le choix. Ok? Donc, la Bible dit, verset 14, Nombre chapitre 8, verset 14. Tu sépareras Lévi du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Les ministres, on doit les séparer du peuple dans la manière de vivre, de se comporter, d'être, parce qu'ils appartiennent à l'Éternel. La Bible dit, après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu le purifieras. Et tu le feras tourner des côtés d'autres comme une offrande. Donc les Lévites, on devait les tourner à gauche et à droite. Je marque le temps. Parce que tourner les Lévites à gauche et à droite, c'est-à-dire c'est les Lévites qui crient dans l'ancienne alliance, c'est les Lévites qui crient dans la nouvelle alliance. Or ici, les Lévites, c'est les premiers-nés. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est la personne de Jésus. C'est Jésus-là.
nous les tournons dans l'ancienne alliance, nous les tournons dans la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de lui qu'il est question dans l'ancienne alliance, c'est de lui qu'il est question dans la nouvelle alliance. C'est ça, prendre les Lévites, les tourner des deux côtés. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Ici, je suis dans la révélation. Dans la doctrine, tourner, c'est aussi pour que le peuple voie, qu'il témoigne que cet homme, Dieu l'a séparé de nous. C'est un homme mis à part. Dieu dit, tu le sépareras des autres enfants. Frère, même si nous mangeons ensemble, même si nous buvons ensemble, nous nous promenons ensemble, je suis ministre, c'est-à-dire, Dieu m'a séparé de vous. Dans le comportement, c'est très important, pour que je sois la bouche qui vous parlera de Dieu. Si Dieu ne me sépare pas de vous et que je suis comme vous, vous ne pouvez pas m'écouter. Voilà pourquoi je vous avais donné l'écriture où Paul dit à Timothée, sois un modèle pour le peuple dans l'enseignement et dans la conduite. Le ministre doit être un modèle dans la conduite, dans l'enseignement. Pour le peuple, il est mis à part. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La Bible dit ceci. Tout premier-né des enfants de Saint, nous avons lu avec vous. J'ai pris Lévite à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron. C'est là que je vais finir. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent les services des enfants d'Israël dans les temps d'assignation. Pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés d'aucune plaie. En s'approchant du sanctuaire, j'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils. J'ai expliqué que Aaron et les fils, c'est le ministère. Donc, les Lévites, c'est tous ceux qui travaillent au ministère. Vous êtes sous l'autorité d'Aaron et de ses fils. C'est-à-dire qu'un prédicateur ne peut pas faire une chose qui est en désaccord avec la parole. Un prédicateur ne peut pas dire, j'ai rêvé, je me suis endormi, j'ai reçu une inspiration. Pendant mon sommeil, j'ai eu une vision. Dans ma vision que Dieu m'a montrée, j'ai vu les anges avec des grosses barbes. Voici ce qu'on va faire. Non, les Lévites sont au service d'Aaron. Nous nous soumettons tous à la parole. Donc, notre parole à nous prédicateurs, ce que nous disons, c'est par rapport à ce que Aaron et ses fils, je vais venir plus tard, quand je parlerai des Gershon, des Merari et des Kehat, je parlerai. Parce que même dans la lignée lévitique, tout le monde ne faisait pas les mêmes choses. Les enfants des Gershon avaient leurs tâches, des Merari avaient leurs tâches, des Kehat avaient leurs tâches. C'était important, parce que sans quoi ils allaient mourir. Donc, les Lévites, la Bible dit, sont donnés entièrement à Aaron. Ici, Aaron et ses fils, c'est Jésus, c'est la parole. Je ne vous prêche pas moi, je ne vous prêche pas que, tu vois, moi c'est Aaron. Vous êtes à mon service. Donc, tout ce que j'ai dit, même quand ce n'est pas la parole, vous devez accepter, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est s'approprier l'écriture, un usurpateur. Non. Ici, Aaron et ses fils représentent les ministères. C'est-à-dire que tout Lévite doit se soumettre au ministère. Je rentre dans Nombre chapitre 4. C'est là que je vais finir. Nombre chapitre 4. La Bible dit ceci. Je prends le verset 22, 21. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, compte aussi les fils de Gershon selon leur nombre, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras les dénombrements depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans,
de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Vous pouvez descendre si vous voulez. Mais il y a une écriture que je cherche. Souffrez. Il y a une écriture que je cherche. Je voudrais bien retrouver cette écriture-là. Quand vous lisez votre écriture, vous allez voir que pour qu'un lévite entre en fonction, il doit avoir l'âge de 30 ans. En 30 ans, il entre en fonction. Mais je cherche l'écriture où la Bible parle du moment où ils sont enrôlés. C'est cette écriture-là que je cherche, je crois. Souffrez. Je ne sais pas si je vais la trouver aujourd'hui. Pourtant, je l'avais tantôt là. Si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard. Ne vous en faites pas. Voilà. Prenons le livre des Nombres, chapitre 8. Nombres, chapitre 8. Le verset 23. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Hein? L'Éternel parla à Moïse et dit. Voici ce qui concerne les Lévites. Hein? Les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction. Faites attention. Nombre chapitre 8, verset 23-24, nous dit que les Lévites commencent à exercer à partir de 25 ans. Mais quand vous lisez Nombre chapitre 8, Nombre chapitre 8 dit non, pour qu'ils se mettent véritablement en fonction, c'est à partir de l'âge de 30 ans. Donc, le Lévite est enrôlé à 25 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Nombre chapitre 8, le verset 23. Le Lévite est enrôlé à 25 ans. Mais pour qu'il commence le travail, il va le commencer à 30 ans. Lisez Nombre chapitre 4, lisez Nombre chapitre 8. Vous avez tous les détails de ces choses. Donc, commençant par le temps où le Lévite est enrôlé, jusqu'à ce qu'il va véritablement entrer en fonction, il se passe 5 ans. De 25 ans à 30 ans. J'insiste, frère. Donc, le problème ici, il faut que tu aies fait 5 ans avant d'exercer. Si tu ne fais pas 5 ans, n'exerce pas. Donc, un prédicateur, il dormait, il a rêvé la nuit. Dieu m'a montré dans une vision que je suis devenu prédicateur. Il prend les tam-tams, il réunit les gens. Un faux prédicateur. Un gourou. C'est un bandit, un voyou. Le ministère ne s'obtient pas par un songe, ni par une vision. Oh non, j'ai rêvé. Dieu m'a parlé dans la nuit. Il m'a dit, oh Adela, ouvre la bouche. J'ai ouvert la bouche. Il dit, avale. J'ai vu un livre qui rentrait dans ma bouche, qui rentre. Et puis Dieu dit, je t'ai donné la parole. Tu es un courageux. Personne n'a reçu le ministère. Vous, frère, vous savez-vous, quand vous lisez votre Bible, je veux vous dire une chose. Il faut faire attention entre le prophète et la sacrificature. C'est deux choses différentes. Vous avez remarqué que la sacrificature, le sacerdoce, c'est Lévi. C'est Lévi. C'est-à-dire, la prédication, l'enseignement, c'est Lévi. C'est Lévi qui prêche. C'est lui qui a la sagesse. Pas les prophètes. Je ne parle pas des prophètes. Je ne parle pas de Jérémie. Jérémie, j'ai été établi ministre dès le sein de ma mère. Je me suis réveillé. Dieu m'a dit. Non. Vous allez remarquer que les prophètes dans l'ancienne alliance ne faisaient pas l'œuvre de la sacrificature. Il faut faire très, très attention.
C'est pourquoi j'attire votre attention pour que vous soyez capable de débusquer les faux. Les Esaïe, les Habakouk, tous ces gens-là, ils n'étaient pas dans la sacrificature. Pour être dans la sacrificature, il faut que tu sois un lévite. Et le Seigneur a donné les critères. J'aime ces choses, frère. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui a les dons des prophéties, il se transforme en pasteur. Quelqu'un qui a les dons des prophéties, il se transforme en docteur. Quelqu'un qui a les dons des prophéties, il se transforme en prophète ministre ou évangéliste. Non, c'est un désordre. Ça, c'est le but toto du Bas-Congo. Ça, c'est mélanger les choses. Quand, c'est pourquoi beaucoup de gens, j'ai dit, j'insiste, ils n'ont pas reçu le ministère de Dieu. Il faut différencier les prophètes et la sacrificature. C'est très important. Très, très important. Les lévites sanctifiaient le peuple. Nous avons lu, c'est les lévites qui purifient. C'est les lévites qui sanctifient. Pas les prophètes, frère. Pas les prophètes. Je dis bien pas les prophètes. Celui qui lisait la loi de Dieu, c'était le lévite, les sacrificateurs. Les prophètes ne lisaient pas la loi de Dieu. Ce n'était pas ça son travail. Il parlait certainement de la part du Seigneur. J'ai dit oui. Mais son parler était différent des lévites. Ici, je parle du ministère. C'est pourquoi j'insiste. Je te mets la balustrade pour que tu ne puisses pas tomber, que tu ne puisses pas chavirer. Donc, tu ne peux pas devenir ministre par un songe, par une vision. Le Seigneur m'a visité. Une voix audible est sortie du ciel. Voici celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai donné l'évangile du salut. Un bandit, quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Les ministères, je vous... Si vraiment, il faut que tu sois têtu pour ne pas t'incliner devant les Écritures. En ce qui concerne les ministères, c'est-à-dire les sacerdoces, Dieu dit, tu me prends, Lévi, tu me les mets à part. Moïse, tu me prends, Lévi, prends-moi, prends. C'est Moïse qui prend Lévi, il les prend. Pas dans un songe, ni dans une vision, il les prend comme ça. Il les met à part, il les met au service d'Aaron. À 25 ans, il est au service d'Aaron. C'est-à-dire, il est au service de tous ceux qui l'ont précédé. Il a 5 ans pour apprendre. Frère, un ministre doit apprendre. Si tu es appelé au ministère, tu dois apprendre. Tu as 5 ans d'apprentissage. Ici, je ne parle pas des écoles bibliques, ni des écoles théologiques. Non, 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 non. Je parle de l'apprentissage auprès d'un ministre. Pas auprès d'un diplômé, d'un licencié en théologie. Ou d'un simple frère. Ou d'un ministre qui a ouvert sa petite école. Il a ouvert sa petite boutique où il faut payer 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars pour venir suivre la formation biblique. C'est du vol. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Même si l'intention est bonne. Vous savez quand Caïn est allé offrir, l'intention de Caïn n'était pas mauvaise. L'idée de Caïn était bonne. Il a fait ses beaux fruits. Mais ça a déplu à l'Éternel. Tu peux avoir une bonne idée. Je vais commencer à réunir les frères pour former l'école des disciples là. Je vais commencer à réunir les frères pour former l'école des Tucus. Je ne sais pas quoi c'est que Tucus, c'est quoi ça? Non, nous avons créé une école des prophètes. Quand on écoute ça, ça sonne bien, c'est bon. Tu verras des jeunes frères, beaucoup de jeunes frères qui vont avec des papiers et des stylos. Frère, je m'excuse beaucoup, je vous avais dit que vous n'allez pas m'aimer. Tu verras beaucoup de jeunes frères. Il va quitter Kingasani, Massina, il quitte partout. Il vient avec son bout de papier, il commence à écrire. Il écrit.
Il aura la connaissance de la tête. Sa tête va gonfler. Il aura une grosse tête. Le ministère n'est pas comme ça, frère. C'est pourquoi vous voyez des jeunes frères qui accourent. Ils ont créé des groupes WhatsApp partout. Trop de groupes WhatsApp. En réalité, ce ne sont pas des lévites. Ils sont là-bas seulement pour aller apprendre, tu vois, l'Apocalypse, les Pléiades. Oh, les Pléiades, je vois. Ah, tu as compris, oui, oui. Les sept trompettes, ah, oui, oui. Donc, la tête grossit. Ce sont des petites écoles qui ne sont pas assises dans les fondements des choses de Dieu. Supportez-moi. Ne va pas m'insulter. D'ailleurs, quand si tu m'insultes, ce n'est pas encore de Dieu. Ça va encore prouver davantage que tu ne connais pas Dieu. Vous voyez? Donc, on crée des écoles partout, partout. Les théologiens, ils créent leur école avec des licences en théologie. Ils pensent qu'ils sont en train de former déjà. Voilà. Les autres aussi, politiciens qu'ils sont, ils ont compris que non, 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 non. Si nous créons une école de théologie, on va nous surprendre. Maintenant, ils ont créé des petites histoires. Il y a des discipolas. École des discipolas. Donc, on ne comprend plus rien. Bien-aimés dans les saints, le Lévite, à 25 ans, ils étaient non pas en train d'étudier, non. Ils étaient en train d'exercer, mais accompagnés des autres Lévites qui étaient déjà en fonction. Pour voir comment on exerce, pour voir comment on agit, pour voir comment on coupe l'animal. J'aime ces choses. Donc, ils les voyaient en exercice. Si Dieu t'a appelé au ministère, je ne suis pas ton professeur en privé. Pendant que j'exerce, toi tu es en train d'apprendre parce que Dieu va t'inspirer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est pourquoi le livre des Nombres, chapitre 8, verset 23, dit que le Lévite, lui, en ce qui concerne, à partir de 25 ans, vous les prenez. Pourquoi de 25 à 30 ans? C'est pour apprendre. Donc, un ministre ne peut pas sortir du néant. Il sort du néant. Comme ça, sans église. On a connu des prédicateurs ici, sans église. Du coup, il est devenu prédicateur. Tu vérifies, il était dans quelle église? On ne connaît pas son église. Il a évolué, on ne sait même pas par où, on n'a pas les témoignages des gens qui ont été avec lui dans une église. Tous ces prédicateurs de Facebook-là. Personne ne peut témoigner dans quelle église il est sorti. Du coup, tu deviens prédicateur. Non! Ce n'est pas parce que tu as la connaissance des 3-4 versets qu'il faut nécessairement que tu deviennes prédicateur. Je vous ai dit, les Lévites ont des critères. Dieu les consacre, il les met à part, il les sépare. J'ai démontré toutes ces choses. Ensuite, commence la formation. Cette formation n'est pas une formation méthodologique. Je vais, souffrez pour l'évangile. La formation des Lévites n'est pas une formation méthodologique. Aujourd'hui, nous allons étudier les 5 lois spirituelles. Introduction. Chapitre 1er. J'ai commencé à voir beaucoup de prédicateurs comme ça. Donc son enseignement a des chapitres. Chapitre 1er, 1.1.2. Chapitre 2, 2.2.2.3. Toi, mes frères, non. Nous comprenons que c'est de l'intellect. Parce que moi, même si vous me demandez de prêcher la même chose demain, je ne peux pas reprendre les mêmes mots. Je ne peux pas. Il est même possible que je ne reprenne même pas les mêmes versets. Mais quand l'enseignement, c'est les mêmes mots, les mêmes versets, les mêmes explications. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Comprenez tout simplement que cet enseignement-là n'est pas inspiré de Dieu. Je l'ai dit et je le répète, un prédicateur ne peut pas... Parce que quand Dieu t'inspire, frère, il va te faire nager dans les Écritures. Je peux prendre les mêmes thèmes que j'avais abordés il y a 6 mois. Quand je me mets ici, tu compares, tu verras que j'ai marché autrement. Peut-être pour dire la même chose, mais nous avons des prédicateurs, ils prêchent ici les mêmes enseignements. Les mêmes mots. Les mêmes discours. Il va là-bas, les mêmes mots, les mêmes discours. Il donc comprend un perroquet. Le ministère, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est une école. Voyez-vous, frère.
C'est une école méthodologique. Nous qui avions étudié à l'université, nous comprenons ces choses. Une école, c'est-à-dire il y a un programme. Vous avez l'introduction, les différents chapitres. Qu'est-ce qu'on dit, les sous-points dans les chapitres. Vous en avez, et vous avez la conclusion. C'est comme, c'est pourquoi vous vendez des syllabus. Voilà. Parce que vous savez comment faire introduction. Chapitre 2, chapitre 3. Toi, tu es devenu lui second. Tu écris également ta propre Bible avec des chapitres et des versets. Point 1, point 2, 2, point 4, 18. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens qui prêchent, mais dont le comportement est en désaccord avec toute la Bible. Parce qu'ils ont lu. Ils ont lu vos livres que vous avez publiés. Ils ont lu ce que vous avez écrit. Maintenant, ils sont capables de répéter. Mais la vie de ces gens-là n'atteste en rien qu'ils connaissent Dieu. Ils sont dans les insultes. Ils sont dans les conflits. Ils sont dans des divisions. Ils sont dans la haine. Parce qu'ils sont en train de répéter, mais à l'intérieur d'eux, il n'y a pas l'eau, la source du Saint-Esprit qui transforme l'homme. Les Lévites à 25 ans, on l'a enrôlé. Tu as enrôlé à 25 ans. Tu as 5 années. Ici, je suis dans la doctrine. Je vais revenir samedi prochain pour donner la révélation de ces choses. Je suis dans la doctrine. Un ministre doit apprendre des autres pour qu'on te confirme par la suite. Toi, on ne t'a pas encore confirmé, tu commences les contestations. On ne t'a pas encore confirmé. On te prend d'abord pour te former, tu commences les contestations. On te met dehors. Parce que tu crois comprendre. Non, tu es là. C'est ça l'humilité. C'est comme ça qu'on devient grand. C'est-à-dire que tu restes pour suivre, écouter, vérifier, voir les modèles. Les modèles de ceux qui t'ont précédé. Les modèles de ceux qui t'ont enseigné. Tu regardes, tu observes. C'est la raison pour laquelle le Lévite, quand bien même qu'on l'avait enrôlé, il n'exerçait pas encore de façon autonome. C'est pourquoi le verset précédent, la Bible dit que c'est à 30 ans maintenant, à 30 ans, que maintenant il va se mettre au service, que le ministre devient indépendant. Mais avant cela, il ne peut pas, il a 5 bonnes années de préparation. Or, les 5 bonnes années là, c'est ça tout, c'est ça les ministères. Bon, j'ai parlé pendant 1h30, c'est beaucoup, hein. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous garde. On va se fixer rendez-vous la semaine prochaine. Je n'ai pas fini. Parce qu'il faut que je donne la portée prophétique de ces choses. J'étais encore dans la doctrine. Donc ne viens pas, pendant que tu n'es pas encore ministre, tu viens, tu commences à te comporter comme si tu es arrivé. Donc tu, comme un parvenu, ça c'est manquer l'humilité. C'est vraiment manquer l'humilité. Parce que, vous savez frère, j'ai toujours dit, l'orgueil précède la chute. Quand quelqu'un est orgueilleux, qu'il ne veut pas écouter, il pense qu'il connaît. Je vous dis, il finit par tomber. D'une manière ou d'une autre, Dieu va l'étaler et vous verrez sa nudité. Mais si tu viens, si on te prend, on t'enrôle, il faut accepter d'attendre 5 ans avant de faire le ministère. Ici, ne va pas dire que je t'ai dit 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est pas ce que j'ai dit. Les 5 ans ici, c'est un langage. J'aime la Bible, frère. Les 5 ans ici, c'est un langage. Tu peux même faire 15 ans. D'autres peuvent faire 2 ans.
Il y en a d'autres qui peuvent faire 6 mois. Mais les 5 ans étaient l'engagement. Mais il faut. Et à 30 ans, nous avons l'homme complet. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? À 30 ans, nous avons l'homme qui gère. Je reviendrai parce que j'expliquerai que Adam a pris le contrôle du jardin à l'âge de 30 ans. Que le créateur du ciel, des choses visibles et invisibles, qui vous bénissent, frère. N'oubliez pas de nous suivre à la radio, www.radiodelevangile.com. N'hésitez pas également de nous envoyer l'argent, on en a besoin, pour payer la radio. C'est bien de nous écouter, hein? Ça fait du bien, non? Mais envoyez-nous également l'argent. Il y a un temps où je vous prêcherai un peu sur l'offrande. Ok? C'est pas mauvais. Que Dieu vous bénisse.